Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais rouler principalement dans le Val d'Oise. Du coup là je suis parti de Seine-Saint-Denis, j'ai 80 km sur la sortie programmée. Me voici déjà à 10 km, on s'approche du musée de la Renaissance qui se trouve à Écouen, dans une petite forêt à côté de Montmorency où je vais régulièrement. On se retrouve une fois là-bas. Oh là là, il apprécie pas trop là. Voici enfin dans la nature, les tracteurs. Bon, les amis, admirez comment c'est beau. Un beau petit château. Moi, je viens de croiser un petit groupe de chasseurs. J'espère pas qu'ils chassent actuellement. Dis-moi, bah, on va passer entre les flots. Bon là, je vais peut-être pas faire l'équilibriste. Hein? Bon, allez hop. Allez, partez, ça va être plus simple. Toc. Bon là, on longe la petite zone d'eau. C'est franchement sympa, bah, moi j'aime bien. Hop. Alors là, on est sur un petit chemin vraiment sympa. Près de l'île là-dedans, on longe les bords de l'Oise. C'est super joli. Franchement, je connaissais pas du tout. La réserve du marais du Store. Ça a l'air d'être joli. Hop. Ouf. Lisse là, les racines. Hein. Wow. Regardez-moi ça. Hop. Ça, c'est magnifique. Bon, en général, quand je commence à arriver dans des petits singles où c'est vraiment étroit et tout, j'essaie de zoomer pour qu'on voit un peu mieux la trace. Hop. Bonjour, merci. Oh là là. Oh putain. Bon alors là, ça fait 70 km qu'on vient de faire, 1000 de dénivelé, je suis exténué, il va me rester encore une vingtaine de kilomètres, et puis là, bah, on va descendre un petit peu cette ligne là, avec le canyon, et là, j'ai le camelback sur moi, franchement le camelback il fonctionne super bien, je ferai le retour, il n'y a pas de problème, allez à tout de suite, souhaitez-moi bonne chance, allez en route. Dans cette descente, je suis tombé il y a quelques mois. Pareil avec le canyon, j'ai pris un saut, j'ai fait un vol plané par au-dessus et j'ai fini dans un arbre. Je les chasse pas forcément, mais. Alors là, on attaque la route forestière, qui est une route toujours toute droite là,
qui longe le golfe de Domont et qui nous amène dans la ville de Domont d'ailleurs. Et d'ici peu, je renverrai mes Duke Lucky Star là, en révision chez JP Racing. Parce que là, elles vont avoir 2 ans. Et je commence à avoir un petit peu de jeu dans les roulements. Tac. Ah, la pédale a touché. C'est pas grave. Tac. Hop, je rentre là sur le chemin du retour. Il me reste 15-20 km pour retourner chez moi. Ça aurait été une bonne sortie, bien éprouvante quand même.